the BDP, the government. Nous avons collaboré pour la Guinée. C'est un président démocratiquement élu pendant 100 ans. Ce que nous voulons pour la Guinée, c'est que les Guinéens soient dans cette situation de précarité. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de dénoncer, puisque nous avons attendu 4 mois avant d'aller au second tour, le président de la Chine, en toute responsabilité, doit prendre le temps d'examiner ses résultats avant de se rendre. Si on est resté 4 mois pour aller au second tour, c'est que les deux candidats ont demandé à ce que les dysfonctionnements de la Chine si l'un des deux candidats pense qu'il y a des faux sur l'état du territoire national, on doit en tenir compte pour que cette situation soit examinée avant de prononcer. Parce que le président de la Chine, avec les cas de la Chine, avec les moyens qu'ils ont, ils ont la possibilité de le dire et de dire au peuple de Guinée, est-ce qu'il y a faux, est-ce qu'il n'y a pas faux. Parce que nous l'avons fait officiellement, devant toute la presse, nationale et internationale, avec des documents à l'appui. Nous attendons qu'on nous dise que ce qu'on a dit n'est pas vrai. Ce que nous avons dénoncé. Donc, aujourd'hui, les 72 heures pour programmer les résultats ou les 24 heures pour programmer les résultats n'est pas d'actualité. Non, si on a attendu pendant 4 mois, nous pouvons attendre pendant une semaine ou pendant 10 jours pour que les résultats, puisqu'il ne s'agit plus de conseil de signer seulement, il s'agit même de la validité des résultats qui sont déjà validés par la Chine. Parce que Témoigne a été validé hier. Et on vient de se rendre compte qu'il y a suffisamment de problèmes à témoigner. Parce que, nous l'avons dit, les procès légaux vont être à la disposition de tous les partis. Une élection n'est pas une division, parce qu'avec une division du peuple, c'est une addition. C'est plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Tout le monde peut calculer. Mais puisqu'on n'a que deux candidats, il faut bien que les deux candidats achètent les résultats. Pour que les deux candidats achètent les résultats, il faut qu'on prouve la sincérité. Nous demandons absolument rien de ça. Et je pense que ça, c'est notre droit le plus absolu. Nous disons qu'il y a faux. Nous avons démontré. Notre souhait est qu'on nous dise non, il n'y a pas faux, vous êtes trompé. Voilà, je pense que une lettre du président de la Chine, signée par lui, a été adressée au président de la Chine ce soir pour lui demander humblement de s'asseoir à la proclamation des résultats provisoires pour qu'il puisse véritablement vérifier ce que nous avons. Je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, il y a une Suzuki bleue, immatriculée 86-93, et on suit le passage quelque part au-dedans.